Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies sentimentales, comme promis. Donc, je vous avais dit que je vous ferais des tirages sentimentaux à partir du mois de décembre. Donc, nous sommes maintenant au mois de décembre. Je commence ce mois-ci à vous les partager. Donc, avant de commencer, comme à chaque fois, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne corresponde pas totalement à vous. Alors, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Et si vous voulez avoir un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse apparaissant à la barre d'infos. Donc, le voyage d'Eliakim à commercial@gmail.com et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour les tirages personnalisés. Je vous dirais de profiter de la promotion que je fais pour vous ce mois-ci uniquement pour le mois de décembre. Alors, toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions, vous pourrez l'obtenir au tarif d'une question. Et pour les personnes qui me font la demande d'un tirage personnalisé à trois questions, vous pourrez l'obtenir au tarif de deux questions. Donc, c'est seulement pour le mois de décembre. Profitez-en. Essayez de peut-être en faire profiter quelqu'un d'autre, membre de votre famille ou de vos amis, hein. Ça peut être un cadeau que vous offrez à quelqu'un pour ce temps des fêtes qui approche. Donc, ça me fera plaisir de le faire pour vous. Maintenant, je tiens à vous dire que les tirages qui sont faits ici sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une petite clé ici qui va me suivre pendant tous les tirages à l'avenir, probablement, que je ferai, simplement pour vous rappeler que vous avez la clé de votre destinée, mes chers amis, et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages qu'on vous envoie. Alors, aujourd'hui, présentement, je vais faire le tirage des énergies sentimentales pour le signe du Capricorne. Donc, bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers Capricornes. Donc, ce que je vois pour votre tirage, c'est que présentement, vous vivez une. Je vais commencer premièrement avec le tirage pour les couples et ensuite je ferai le tirage pour les célibataires. Je mettrai en barre d'infos le moment dans la vidéo du tirage pour les célibataires si vous voulez sauter tout de suite à votre tirage pour les célibataires. Donc, je vois ici pour vous, pour ceux qui sont en couple, que vous vivez une relation stable, que vous et votre conjoint ou conjointe avez bâti ensemble. Hein? Ça semble bien aller. Hein? Vous récoltez le fruit de votre travail au niveau de votre relation amoureuse. Vous êtes stable, vous êtes confortable. Tout va bien de ce côté-là. Par contre, le problème, c'est que vous sentez que votre vie amoureuse présentement, votre partenariat amoureux, elle est peut-être trop parfaite, trop calculée, qu'il n'y a pas de place pour la spontanéité dans votre relation présentement. Vous trouvez que votre relation manque peut-être d'authenticité, que tout ce que vous faites, c'est devenu, vous le faites de façon machinale. Vous avez un comportement un peu d'indifférence l'un envers l'autre. Peut-être que le mot indifférence n'est pas le mot approprié. Je dirais plutôt que il y a une certaine habitude qui s'est installée. Hein. Vous savez, le cliché du vieux couple, que l'habitude s'installe et bon. Alors, c'est peut-être là que vous êtes rendu. Hein. L'habitude s'est installée et il n'y a plus autant de nouveautés, de spontanéité dans votre relation. Auparavant, vous viviez un certain romantisme, hein? Vous aviez des habitudes romantiques, vous aviez des activités sociales, des sorties. Mais maintenant, vous êtes à l'autre extrémité. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre
dans tout ça, dans l'équilibre dans votre relation, hein, parce que, comme je vous dis, auparavant, vous viviez des situations qui vous permettaient de vous évader en tant que personne, mais en tant que couple également, hein, avec vos activités sociales. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Vous voulez prendre soin de votre relation parce que votre vie de couple et votre vie de famille est importante pour vous. Donc, vous vous engagez à travailler sur votre relation en prenant soin des détails pour remettre du piquant dans votre relation. Parce que vous vous en voulez, hein, d'avoir négligé votre couple. On voit que vous allez mettre les efforts nécessaires pour remettre du piquant, retrouver l'équilibre, hein, que vous aviez avant dans votre couple. Jusqu'à maintenant, vous avez accepté la situation comme elle est, mais vous êtes déterminé à communiquer vos besoins à partir de maintenant. Et c'est la bonne chose à faire, effectivement. L'autre, votre partenaire, comprend votre amertume face à la situation et lui aussi, il est prêt à faire les changements nécessaires, hein, pour retrouver l'équilibre, pour que vous viviez, pour retrouver l'harmonie dans votre couple. Vous espérez que ce que vous avez investi ou ce que vous allez investir comme effort dans votre relation ne soit pas vain. Et vous craignez que de ne plus savoir comment vous amuser, hein? Ici, on disait tantôt que vous avez besoin de retrouver un équilibre que vous aviez auparavant, de faire des sorties, de faire des rencontres. Donc, vous avez peur vous êtes tellement habitué juste à vous deux, à votre petite routine, que vous avez peur maintenant de ne plus savoir comment vous amuser. Si vous faites les efforts voulus pour harmoniser votre vie de couple, bien l'issue de ce tirage-là, bien c'est que vous allez l'issue est très belle en fait. Vous allez retrouver l'amour, un amour renouvelé, et vous allez vous reconquérir, hein, en tant que couple. Et c'est toujours ce sur quoi vous devez travailler quand vous êtes en couple. De mettre du piquant, de faire revivre la relation. Et on voit qu'il y aura une issue positive dans ce tirage-ci si vous faites les efforts nécessaires pour lesquels vous vous êtes engagé. Donc, pour les célibataires maintenant, bien, je vous dirais que la même chose, hein, vous vivez une vie confortable, vous travaillez fort. Et c'est pour cette raison que vous n'avez pas de temps à accorder à l'amour, hein. Le problème, c'est que vous avez peur de l'engagement. Et il y a eu dernièrement, ou il y a quelque temps, un potentiel amoureux qui s'est présenté à vous, ou bien qui va se présenter à vous. Donc, vous avez une décision à prendre à ce sujet-là, mes chers Capricornes. Surtout si vous voulez trouver l'équilibre dans votre vie amoureuse ou bien si vous voulez fonder une famille, bien c'est le temps de prendre une décision présentement avec ce nouvel amoureux qui se présente à vous. Bien que vous êtes dévoué à votre travail, je vois que vous allez décider de vous dévoué également à cette nouvelle relation qui se présente à vous. Donc, vous allez faire les efforts nécessaires pour équilibrer le temps que vous accordez à votre travail et à votre vie de couple potentiel. Et vous allez prendre cette décision-là assez rapidement, si ce n'est pas déjà fait, hein, parce que je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui s'est présenté à vous ou qui va se présenter à vous, mais c'est peut-être déjà fait, mais c'est tout nouveau, tout beau, là, c'est récent. OK? Donc, vous pensez maintenant être capable de trouver justement cet équilibre-là entre votre travail et vos amours. Et l'autre comprend d'où vous venez et il va vous laisser le temps de vous ajuster à tout ça, à cette nouveauté. Vous espérez que vos efforts vont aider votre relation, hein, que les efforts que vous faites
ça va être bénéfique pour votre relation, mais vous avez quand même peur de cette nouvelle expérience qui se présente à vous. Vous allez vivre une belle vie amoureuse, remplie d'amour si vous faites les efforts nécessaires et vous allez réussir à garder la flamme par la communication. Donc, dès le moment où vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour vos activités personnelles ou votre travail, n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire, lui faire savoir ou lui faire connaître vos besoins et cette personne-là va probablement être capable de vous comprendre, de vous entendre dans vos besoins. D'accord? Donc, n'hésitez pas à communiquer vos besoins. Quand je brassais les cartes, alors pour le message des anges de l'amour, c'est la carte de « Attention au drapeau rouge ». Donc, on vous dit « Certains signes vous mettent en garde ». Alors, on va aller voir ce que le carnet dit sur cette affirmation. Donc, « Attention au drapeau rouge ». Donc, ça vous dit, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Ça s'adresse également aux couples, hein, pas seulement pour les nouvelles relations. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, par exemple, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées aussi. Suivez bien vos intuitions. Alors voilà, donc, que ce soit pour les couples ou les nouvelles, pour la nouvelle relation ici, mais faites attention au drapeau rouge. Hein? Suivez votre intuition. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à vos attentes, bien communiquez avec la personne. Faites connaître vos besoins, vos valeurs, vos attentes. Et si vous êtes en couple, bien la même chose, hein? Les drapeaux rouges, bien faites attention dès qu'il y a un problème qui survient. Bien, apprenez à communiquer pour éviter qu'il y ait des problèmes dans votre relation. Alors voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour les Capricornes pour le mois de décembre 2018. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a éclairé, qu'il vous a aidé à comprendre votre situation actuelle et qu'il vous donnera des outils pour mieux gérer votre vie affective. Alors, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre et j'en profite aussi pour vous souhaiter de très belles fêtes, hein, puisque nous, on va se revoir seulement le mois prochain. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes, de passer d'excellents moments en compagnie de votre famille, de vos amis. Et je vous souhaite un temps des fêtes rempli d'amour, de joie, de paix et de lumière, mes chers amis. Donc, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à les partager. Hein. Peut-être que ces messages-ci vont servir à d'autres personnes. Et à communiquer également avec moi pour vos tirages personnalisés si vous en sentez le besoin.
Donc, allez voir aussi dans la barre d'infos les informations pour la promotion de décembre. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.